Le but de l'histoire, c'est de se faire Emily. Brad, c'est mon mec. Merde ! Un an plus tard, je vais lui reparler. Sophomore year, what the fuck, j'ai pas eu le temps de lire. Green Day, j'aime beaucoup Green Day. Ils ont fait ça me fait toujours peur, putain. Elle écoute Muse. Hey Ryder. Hey Emily. Hey. Comment va la vie? Ça fait un moment qu'on s'est pas parlé. Ouais, je sais pas si tu te souviens, je t'ai dit à toutes, puis genre, je suis jamais revenu en fait. Ça, c'est un peu la phase, genre, tu parles à ton pote et il te fait, ouais, je t'appelle dès que j'ai fini de manger. T'es là, ok. Et genre, deux jours après, t'as toujours pas rappelé, puis t'es genre, putain, il doit se faire un gros festin, faut que tu l'as juste oublié. M, si toi aussi ça t'arrive. Lol. Putain. Faut que j'arrête. Ouais, la vie allait. La vie était bien. La vie était bien. Comment va la tienne? Comment va ta vie? Ça va. Tu fais quelque chose ce week-end? Et je vais à un show. Ok, nique ta mère. Je traîne. Just hanging out, ok? Je vais juste traîner avec mon amie Emma. Hein? C'est quoi ça, Emma, là? Attends, non, attends, vas-y. Je traîne avec mon amie Emma. Oh, on va la rendre jalouse. Ah, ça a l'air drôle. C'est quoi, Emma? Oh, c'est qui, Emma? Ah, je vais faire le... Oh, c'est juste une fille. Point. Enter. Ok, cool. J'avais jamais entendu parler avant. Pourquoi il y a des bruits de porte? Ça veut dire quoi les bruits de porte? Genre... Comme ça me perturbe. Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, à une soirée, on va dire que... Allez. Une espèce de soirée, je pense. Je m'en souviens pas vraiment. Quoi? Mais pourquoi je dis des trucs comme ça? Je me souviens de tout en soirée. À part dès le moment où je me mets à boire. Après ça, c'est le néant. C'est tout noir dans ma tête. Et elle est comment? Elle est sympa, elle est drôle, elle est bonne. Allez, on va dire qu'elle est... Elle est sympa, elle est drôle. Elle est sympa. Elle est sympa. Oh, oh, c'est une petite douceur. C'est une petite... C'est une crème. Amy va s'en rappeler. Ok. Ok, donc Emma la crème. Ça roule. Wow, Ryder. On dirait que les choses vont très bien. C'est putain de génial. T'as des plans ce week-end? On va lui demander... Ouais, et toi, alors, t'as des... quelque chose ce week-end? Ah ah. Alors, moi et Brad, on était censés aller voir un show, mais ça va pas se faire. On a cassé la semaine dernière. Yes! 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 Oh, je suis tellement désolé. Oh, j'en savais rien. Oh, je suis... Oh, mon Dieu, Emily, mais je suis tellement désolé. Comment tu te sens? Ça va, je vais bien. C'était juste devenu un petit peu bizarre depuis que... Lui et moi, on avait le même groupe d'amis, puis ça se passait pas super bien. Je me sens vraiment seul, tu sais. Oh, 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 oh. Je peux mettre, je comprends, je suis là pour toi. Les gens sont stupides. Genre, le I understand, il passerait bien, je comprends. I'm here for you, je suis là pour toi. Ça fait vraiment gros canard. Et les gens sont stupides. Oui, non, mais ça, tout le monde le sait, donc je te comprends. Je te comprends totalement. Je comprends totalement comment tu te sens, parce que si tu te souviens bien, il y a 2 ans en arrière, ça... Putain, tu m'as friendzoné. Alors, c'est tellement horrible, je me sens abonné. C'est comme si j'avais aucun ami pour... aucun ami pour moi, là. C'est chaud. Pourquoi vous avez cassé? J'aimerais bien dire pourquoi vous avez cassé, mais ça ferait un peu trop tourner autour du pot. Quoique, je suis sûr qu'elle aime vraiment parler. Quoique, là, si je lui dis, ouais, mais tes amis, c'est de la merde, ça ferait genre, je suis là, mais je suis ton ami, ça me mettrait dans la friendzone. Donc, pourquoi vous avez cassé? On a que 3 choix, c'est dommage qu'on ait pas plus. Je pense qu'on a juste commencé à être différent. C'est Brad qui a changé pendant l'été. Et les choses étaient différentes quand on est revenu. Oh putain, maintenant je commence à pleurer. S'il te plaît, ne pleure pas, ça fait très canard. Je suis tellement désolé, ça fait vraiment péder. Et il n'en vaut pas la peine, ça te met juste la haine. Je vais arrêter ça tout de suite. Je vais arrêter ça tout de suite. Bon, s'il te plaît, arrête de pleurer. Oh, M. Oh, Eve, s'il te plaît, ne pleure pas. C'est tellement du gâchis, t'es tellement une personne incroyable. Ouais, dis-lui des trucs comme ça, c'est bien. Elle va te kiffer. Merci, je suis désolé pour être une telle merde. C'est pas grave, je suis de la merde aussi. Viens, on baise. Je m'inquiète pour toi. Ah, je veux dire que je m'inquiète pour toi. Ouais. Et lui, il va s'en rappeler. Yes. Je crois que j'ai fait un truc stylé parce que tout à l'heure, je dis, il y a des gens qui s'inquiètent pour toi et je dis, je m'inquiète pour toi, donc du coup... Yeah, yeah, yeah. Merci, c'est sympa de pouvoir parler de ça. J'ai pas vraiment eu la chance d'ouvrir les écoutilles de larmes et d'en parler, quoi. Bien évidemment, c'est pas un souci. Je sais que tu ferais pareil. Ouais, genre, on est des potes. Non, 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 non. Non, 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 je vais lui mettre la compote, moi. T'es fou. Faut que j'arrête.
Faut que j'arrête, tu arrives. Bah, bien évidemment. Bah, bien évidemment. Well, of course. J'ai envie de te demander quelque chose, mais j'ai peur que tu me hisses après ça. Si tu me demandes combien coûtent mes rétroviseurs parce que t'en as pété un, je te jure que je vais te frapper. Non, je ne pourrai jamais te dire. Juste pose-moi la question! Je te le promets. Je vais pas être trop violent parce que. Peut-être qu'elle aime ça, la violence, mais pour l'instant, j'en sais rien, donc je vais y aller comme étant un être humain normal. Promis, de quoi s'agisse? Oh putain, vas-y, il y a 2 ans en arrière, à la fête de Travis, là. Quand on était ennuyé, puis on est allé marcher, et qu'on s'est arrêté sur une aire de jeu à un moment, et qu'on s'est allongé, et qu'on a regardé les étoiles. Eh bien, pourquoi tu m'as pas embrassé? Mais oui! Mais oui, mais. Mais. Mais oui! Mais. Mais oui, mais pourquoi? Bah oui, bah tiens, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Peut-être. Je sais pas! Merde! Me voilà bien baisé, jamais de ma vie je me suis trouvé dans une situation comme ça! Merde! Je ne sais pas. Je voulais pas foutre les choses en l'air. Je sais pas si tu. Ah putain! Ah non! Je savais pas si t'avais des sentiments, toi aussi, mais moi je te kiffe depuis toujours! Emily va s'en rappeler. Oh merde! Oh merde! Je me suis toujours demandé comment ça se passerait si tu m'avais embrassé. Ouais, bah moi aussi. Je sais pas. C'est stupide, je suppose. Je me suis demandé ça aussi. J'aurais espéré t'avoir embrassé. Je vais aller pour la 2, genre... J'aurais voulu t'embrasser. Emily est en train de crier. Hé, j'ai une idée. Oh, elle s'en est complètement battue les couilles. Elle a regardé mon truc, elle a fait... Merde. Oh, j'ai une idée. Peut-être que tu pourrais venir me voir ce week-end. Oh. Oh, je pourrais enfin me sortir à la tête de cette école. On a toujours dit qu'on irait se voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, viens, 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 please, allez, viens, 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 j'adorerais te voir, viens. Vous avez choisi de laisser Emilie vous voir venir, ok, d'accord, ça marche. Et alors, t'es proche avec Emma? Je veux dire, ah non, je vais lui en parler, genre, je vais lui en parler, voilà, nique sa mère. Ok, je veux juste pas baiser les choses. Tu veux faire quoi ce week-end? On pourrait aller faire des soirées. C'est le meilleur moyen de se bourrer la gueule et de baiser. On va faire des soirées, ma belle. Vous avez choisi de faire des soirées, ouais. Ça m'a l'air, ça sonne comme un bon plan. Est-ce que je devrais amener de l'alcool? Ouais, complètement. Non, ça c'est moi, Ryder lui-même là, qui parle, qui dirait ça, mais je sais d'expérience. Hein. L'alcool c'est pas bien. Non, je déconne, c'est merveilleux. Buvez-en, les enfants. On n'a pas besoin d'alcool. Love is stronger than alcohol. Ok, je suis tellement excité, on va enfin pouvoir se voir. Ouais. Oh, merde, je dois me dépêcher. Mais on se voit ce week-end, ok? Bien évidemment. Allez. À toutes. Bye. Je suppose qu'on va se revoir l'année prochaine. Eh bah putain. Ah. Hey. Hey. Je sais que ça fait un moment depuis qu'on s'est pas parlé. Oh ça va. Oh ça va. Aucune crainte, n'aie crainte mon enfant. J'ai juste traversé énormément de choses ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Oh, tu mens tellement, t'es tellement une mytho. Donc, écoute, je pense qu'on pourrait parler de certaines choses. Ok, bien évidemment. J'aime pas me défiler quand on me dit « Faut qu'on parle !» Il fait genre « Non, ciao, je me tire !» C'est vraiment un truc de lâche, ça. J'avais choisi d'en parler. Ok, d'accord. Je trouve que les choses sont assez bizarres entre nous. Toi aussi, t'as senti ça? Je pense pas, tout va bien. Regarde, t'as mis ton icône de plaine, j'ai mis mon icône de Gorillaz, mais tout va bien, non? Non? Je pense que ça cause de l'année dernière. Quoi? Tout était bizarre quand je suis allé voir, quand je suis venu te voir. Oh putain. Ryder, s'il te plaît, sois honnête avec moi. Oh merde, je me suis appelé Redier au lieu de Ryder, je suis trop con. Redier. Je me suis appelé Redier. Ouf. Est-ce que t'avais prévu de me baiser? On l'a baisé. Je m'applaudis, je vous applaudis, on l'a fait ensemble, on a tous mis la bite. Je vais être honnête avec toi, hein. J'espérais te mettre la bite. J'espérais vraiment... Oula, peut-être que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on va voir. Emily va s'en rappeler. Maintenant que j'y pense, tout avait l'air planifié. Merde, oh putain. On faisait des soirées tous les soirs. Ensuite, on allait dans ta chambre et on y passait toute la nuit. Oh merde. Ah, t'as dû savoir à quel point j'étais vulnérable. Oh merde. Oh là là. Oula. Oh là. Oh la gêne. Oh le malaise. Oh là là. Non 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 non. Écoute. Alors écoute. Je ne savais pas. Ok. Enfin je sais. Ah, j'ai marqué genre ouais bien sûr tu voulais baiser. Le mec c'est un fou quoi. Non je savais pas. T'avais l'air bien.
Émilie va s'en rappeler. Je suis perdu. Évidemment que je suis perdu. Ok, c'est juste. C'est juste quoi? Enfin, j'ai juste... Je sais pas. J'ai fait quelque chose de... J'ai fait quelque chose de faux. Je me suis trompé de trou. Le con, je l'ai mis dans le cul. On a baissé 3 soirs d'affilée, je l'ai mis 3 soirs dans le cul, elle a pas osé dire quoi que ce soit. Je suis horrible. Est-ce que t'as passé un mauvais moment? T'as choisi de parler de sa visite. Oh merde, j'ai fait une connerie. Non, j'ai passé un bon moment. J'ai juste beaucoup s'est passé, et très vite, une porte s'est fermée. Y a des portes qui s'ouvrent, y a des portes qui se ferment, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des bruitages de portes qui s'ouvrent, des bruitages de portes qui se ferment. On fait des choses, on ouvre des opportunités et on en ferme. C'est ça, les ouvertures de portes. Les bruits de portes, c'est des opportunités en fait, je suis sûr. Oh, faut qu'on soit attentif à ce qu'on fait. Faut qu'on soit très attentif. Oh putain, on vient de fermer une porte. Ça m'a juste fait sentir différente. Merde, on a fermé une porte sur je sais pas trop quoi. D'une mauvaise manière, enfin différente. Différente d'une mauvaise manière. Non, pas mal, c'est juste différent, je sais pas. Ah la merde. Ah la belle merde, elle est belle, elle est grosse. Est-ce que ça va être la même chose? Non, attends, est-ce qu'on va rester en contact? Parce que la même chose c'était quoi? Tu toujours qu'on... Est-ce qu'on va rester en contact, s'il te plaît, ne pars pas. Ouais, je pense. Non, putain. Je suis désolé, les choses sont juste bizarres pour moi actuellement. Mais merci d'en avoir parlé. Oh merde. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Genre ouais. T'inquiète. Yeah, sure. Yeah, ok. No problem. Oh, putain, non. Oh, non. Donc, comment va l'école et tout? Oh, non. Putain, ça va. La même chose. Non, putain, non. Je brûle de l'intérieur. Comment va ton ami Mike? Il a été de plus en plus sérieux avec l'école et tout ça. Ah, on parle du quotidien, c'est nul. Ça craint quand les gens changent. Ouais, non, sans blague. Et qu'en est-il d'Emma? Ah, quand même. On parle tout le temps, je vais dire le... Ouais, on s'est pas vu depuis un petit moment, genre... On va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai aucun plan, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a un bruit de porte? Pas de bruit de porte, merde! Est-ce que c'est une amie ou... L'hésitation. Pardon, c'est juste une amie, bon, allez. Je la mets dans la friend zone, j'aurai la foule. C'est juste une amie. Pour... Ah, c'est nul! Oh, ok. Ah, j'ai fermé une porte. Putain. Je suis désolé, je crois pas que je peux faire ça maintenant. Ah. Oh... Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, Emily! Non, parler, c'est juste difficile. En plus, je dois y aller de toute façon. On se parle bientôt. Ok, non, juste, ok. Ok, bye. Allez, ciao, tu m'as saoulé. Non, c'est... Emily est partie. Nique ton cul, Emily. Va niquer ton cul. Chapitre 5, 2006. C'était il y a 10 ans en arrière, chère victime. Oh putain, ça me fait toujours peur, j'oublie à chaque... Qu'est-ce que c'est que ça? Emily est en train d'écrire. Salut, Ryder. Enfin, redier plutôt. Ah, je me sens froid, j'ai un truc en moi. Arrêtez de percer pendant que je parle, les mecs. Vous êtes cool, hein? Mais... Oh! Merci. Quoi de neuf? What's up? Et c'est une réponse de Ceiling, je la retrouve, je l'encule. Pas grand-chose, c'est... Putain... Comment vas-tu? Mais... Oh putain... La perceuse, je vous jure, il y a une perceuse, Emsoul. Je vais te le dire, là, honnêtement, hein, ça pourrait aller mieux. Oh, merde, je suis triste d'entendre ça. Ouais. Elle me demande même pas pourquoi. Ok, bah va niquer ta mère. Comment va l'école? Comment tu es allé? Comment vont les choses? Et toi, comment ça se passe? Madame, je ne pense qu'à moi. Hein, espèce de connasse, va. Tout marche pour le mieux, ça marche. Quoi de neuf dans la vie? Comme s'il ne s'était jamais rien passé, genre bonjour, je ne t'ai jamais mis la bite, il est 18h04, l'heure à laquelle je recommence de travailler d'ailleurs. Tu fais quelque chose ce week-end? Quelque chose ce week-end? C'est devenu une vieille discussion toute baisée, c'est nul. Non pas vraiment, je pense que moi et Brad on va aller à un concert ou quelque chose, comment ça toi et Brad? Oh je savais pas si tu savais mais moi et Brad on est revenus ensemble. Ok tu sais quoi c'est bon, j'enlève mon casque. Va te baiser. Ciao.
Je me suis dans une position où j'ai coupé ma circulation du sang de la jambe. Ça fait mal. Même après cette horrible rupture, même après... Sérieux, viens pour toi. Non mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ouais, même après cette grosse rupture. Non. Oh, tant mieux pour toi, merci. Ferme ta gueule. Comment va Emma? Je vais faire du suspense. What the fuck? Moi j'allais genre faire ouais, et bien. Et je pensais que ça allait faire un truc genre. Et bien quoi? Puis après j'allais avoir un choix de solution, genre ouais, j'ai eu un enfant avec elle, je sais pas trop quoi, genre un truc de folie. Et ben en fait non. Non, maintenant elle sort avec Mike, donc on se voit à peine quoi. Ok. Je suis une grosse victime. Ryder, la grosse victime, ok. Oh, je suis désolé. J'en ai absolument rien à foutre. Mon taux de battage de couilles sur une échelle de 1 à 10, on est à 11 à peu près. Ok. C'est... Ah, ouais, enfin, peu importe, je m'en bats les couilles. Bon, de toute façon, le collège, c'est bientôt fini. T'es tellement pas une meuf sensible, tu t'en bats tellement les couilles, on dirait moi dans la réalité, quoi. Le temps passe, hein, n'est-ce pas? Ah, on parle tellement de trucs, genre la pluie et le beau temps. Ah, est-ce que ça va te manquer? Hein? Dis-moi tout. Parle-moi de ton collège, comme si on avait quelque chose à foutre. Ouais, je suppose. On a passé de bons moments. Juste lui rappeler. Tu te souviens? On a passé de bons moments au collège. Salope. Espèce de connasse. Ouais, plus ou moins. Baise-toi! Enfin, non, laisse-moi te baiser, en fait. Je préfère ne pas parler du passé, néanmoins. Donc, je fais... Oh, bien sûr. Oh, sure, of course. J'en ai juste marre de me rappeler des souvenirs. Ok, non, t'inquiète, c'est pas grave. Non, t'inquiète. Je vais bien, je crame juste de l'intérieur. T'as de gros projets après? J'ai demandé ce qu'elle va faire dans sa vie après, genre, on sait jamais. Donc t'as des grands projets qui te restent pour l'avenir, tout ça. Genre là, maintenant, c'est vraiment devenu genre... on parle pour parler, quoi. Le battage de couilles est présent. Juste un, c'est bientôt fini. Tu vas revenir? Un jour? Point d'interrogation? Pas tout de suite. J'ai le bail jusqu'à août. Ah, fort bien. Est-ce qu'on peut parler de certaines choses? J'aimerais parler de certaines choses, vas-y. On va être franc. Les couilles, on les porte. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut parler de certaines... J'ai dit de... Oh! Mais non! Non! Arrête d'effacer! Arrête! T'as fait quelque chose... Mais non! Mais espèce de canard! Espèce de canard de merde! Non! Mais porte... Non, c'est pas grave. On va se rattraper. Vite, est-ce qu'on va pouvoir se voir cet été? Non! Est-ce que tu fais tes devoirs? Non! Mais ta mère la salade! Ta grosse mère la salade, putain! J'ai des choses à rendre pour demain. Va te baiser. Non, tu vois, attends, est-ce que... Comment va l'école? Ok, waouh, la phase! Oh, la pédale! Oh, la grosse pédale! Oh, la... Goodbye. Allez, je me casse. J'ai choisi de finir la conversation. Oui. Ok, bye. Allez, Ryder is away. Fuck off. Emily is away par Kyle. Kyle Selle. Putain, je ne t'aime pas. Je ne t'aime vraiment pas. Est-ce qu'il y a 2007? Ça fait quoi si on va sur 2007? Replay. Putain, c'est bon. On a fini le jeu et on a perdu. Bon, faut voir le côté positif des choses, toujours positiver dans la vie. On a baisé Emily, on l'aimait, mais tout ce qu'on a pu faire, c'est la baiser. C'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Après tout, l'océan est plein de poissons. Grosse phrase de beauf, ça, putain. Je déteste les gens qui disent ça. Quoi qu'il en soit, chère victime, c'était Black Ryder. Sur ce, je suis mort, à la prochaine. Ciao, ciao. Putain.